Chers élèves de la première année du baccalauréat, bonjour. C'est avec une immense joie que je vous rejoins aujourd'hui pour poursuivre ensemble la révision de la production écrite. L'objectif de la séance consiste à revenir sur les techniques de rédaction du texte argumentatif en adoptant le plan analytique. Je vous lis la consigne. Dans la tragédie moderne de Jean Amouille, Créon inflige la peine de mort à Antigone pour la punir d'avoir bravé sa loi. Ainsi, beaucoup de jeunes sont condamnés à de lourdes peines pour payer le prix de leur crime. Quelles sont les causes directes de la criminalité et comment peut-on lutter contre? Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments variés et des exemples pertinents. Alors, comme nous avons déjà vu, toujours avant de commencer la rédaction au propre, au brouillon, il faut d'abord comprendre la consigne. Il faut lire et relire la consigne afin de repérer les mots-clés. Ici, nous avons comme mots-clés, nous avons peine, punir, braver, braver sa loi, jeune, condamné, encore une fois, lourde peine, payer le prix, crime. Alors, pour cerner la thématique que vous allez développer, vous devez prêter attention à la question. Quelles sont les causes directes de la criminalité et comment peut-on lutter contre? Alors, c'est votre but. Vous allez rédiger pour analyser les causes directes de la criminalité. Qui dit cause dit conséquence, même si ce n'est pas demandé ici, mais automatiquement, vous devez lister les causes, puis les conséquences, et vers la fin, vous allez proposer des solutions. Votre tâche consiste à rédiger un texte argumentatif. Alors, développez votre réflexion en vous appuyant des arguments sur des arguments variés et des exemples pertinents. Donc, voilà. Pour comprendre la consigne, effectuez une lecture, une deuxième lecture. Repérez les mots-clés. Nous les avons déjà repérés tout à l'heure. Pour cerner le thème et la thématique, pour avoir une idée sur la thématique à développer. Et bien sûr, pour éviter le hors-sujet. La tâche, votre tâche consiste à rédiger un texte argumentatif. Le but, vous allez rédiger un texte argumentatif pour analyser les causes et les conséquences de la criminalité et aussi pour poser des solutions. L'étape suivante, toujours au brouillon, l'adoption d'un plan de rédaction. Vous avez besoin de structurer votre production, votre texte. Pour ce faire, il faut adopter un plan. La consigne ne soulève pas un débat. On ne vous demande pas d'analyser un phénomène. Pardon, on vous demande d'analyser un phénomène. On ne vous demande pas de donner votre avis. On ne vous demande pas d'exprimer le point de vue personnel. Pourtant, on vous demande d'analyser un phénomène. On ne vous demande pas de prendre position ou d'exprimer un avis personnel. On vous demande de lister les causes et les conséquences et de proposer des solutions. Maintenant, c'est clair, les plans à écarter et les plans à adopter. Nous allons écarter le plan dialectique puisque la consigne ne soulève pas un débat. On ne vous demande pas d'exprimer l'avis personnel et de prendre position. Donc, vous n'avez pas besoin de confronter les différents avis pour donner le vôtre. Nous allons écarter aussi le plan thématique. On ne vous demande pas de développer progressivement la criminalité, de discuter et de développer ce sujet. Le plan à adopter est bel et bien le plan analytique. Alors, vous allez analyser les causes et les conséquences et vous allez proposer des solutions. Ce sont les étapes
et la particularité du plan analytique. L'introduction est commune à tous les plans. C'est le premier paragraphe de votre texte. Il comprend entre 4 à 5 phrases, bien sûr sans sous-ligne. Il se déroule en 3 temps. Premier temps, amener le sujet, vous le présentez à travers une définition, soit vous allez définir le thème à développer, vous allez recourir à l'œuvre pour l'introduire, vous allez vous référer à une citation ou à un poème, vous allez vous baser sur vos lectures. Dans un deuxième temps, présenter la problématique, il faut problématiser, vous soulevez le problème, l'expliciter et le contextualiser. Dans un dernier temps, vous annoncez le plan. Vous signalez les étapes de votre développement. Comme si vous allez communiquer à votre correcteur, voilà les étapes de mon développement. Voilà ce que je vais développer dans le développement. Alors, décortiquez le sujet en montrant les points à développer dans chaque paragraphe. Encore une fois, attention au plagiat. Il ne faut pas, comme introduction, le plagiat, voilà ce qu'on entend par le plagiat. Il ne faut pas copier-coller la consigne et l'utiliser comme introduction. Il faut réfléchir à une autre introduction, à votre propre introduction. Bien sûr, vous ne manquez pas d'idées, vous avez plein d'idées à fournir, vous avez plein de propositions, donc n'hésitez pas. Le développement du plan analytique. Il se décline en 3 paragraphes. Le premier paragraphe sera consacré aux causes. Le deuxième sera consacré aux conséquences. Le troisième sera consacré aux solutions. Alors, quand vous voyez ici, le développement comprend 3 paragraphes, 3 parties. Dans le premier paragraphe, vous devez citer ou lister entre 2 à 3 causes. Pour le deuxième, entre 2 à 3 conséquences. Pour le troisième, entre 2 à 3 solutions. Je vais vous donner maintenant le canevas ou bien le schéma du plan analytique. Comment vous allez organiser votre développement? Comment vous allez organiser vos paragraphes? Le premier paragraphe, présenter les causes. Alors, il faut introduire d'abord les causes en utilisant une phrase d'amorce, une phrase introductive. Ce fléau, par exemple, à titre d'exemple, ce fléau est dû à plusieurs causes ou bien est dû à une panoplie de causes. Ce phénomène est à l'origine de plusieurs motifs. Après, vous allez introduire les causes. Voilà le canevas, un lien logique d'énumération. Vous allez citer la première cause, donc vous avez besoin d'un lien logique d'énumération. D'abord, d'une part, première cause, lien logique d'explication. En effet, d'ailleurs, c'est-à-dire, et vous introduisez la justification, un lien logique d'exemplification, ainsi, tel est le cas, à titre d'exemple, prenons l'exemple le plus significatif, etc. Et vous introduisez l'exemple. Pour introduire la deuxième cause, un lien logique d'addition, vous allez rajouter une deuxième cause. Si vous comptez rajouter une troisième, encore une fois, vous allez poursuivre le même cheminement. Deuxième cause, lien logique d'explication, etc. jusqu'à la fin de votre paragraphe. Alors, donc, quand vous voyez ici, le premier paragraphe comprend 2 causes. Et il ne faut pas oublier les liens logiques pour assurer la cohérence de votre paragraphe. Deuxième paragraphe, présenter les conséquences. Le fléau
on parle ici, nous allons préciser, la criminalité par exemple, engendre ou bien entraîne des conséquences innombrables, a des répercussions. Je vais introduire les conséquences, toujours en lien logique d'énumération. Pour introduire la première conséquence, justification, exemple, et toujours, il faut qu'il y ait une transition entre les causes, les explications et les exemples à l'aide des liens logiques. Deuxième conséquence, les mêmes étapes, le même cheminement, lien logique, justification, lien logique d'exemplification, exemple. Dernier et troisième paragraphe consacré aux solutions. Vous proposez des solutions. Face à cette situation, plusieurs mesures s'imposent ou bien plusieurs mesures s'avèrent recommandées. Pour résoudre ce phénomène, il serait utile de... Et vous introduisez les solutions. Toujours des liens logiques, d'énumération, pour introduire la première solution. Justification, exemple, toujours veiller à des phases de transition, des liens logiques, et la dernière et la deuxième solution. La conclusion récapitulation des affirmations, vous allez répondre aux questions que vous avez déjà posées dans le développement, et bilan des arguments, avancer dans le corps du sujet. Attention, il ne s'agit en aucun cas de reprendre les mêmes arguments déjà cités dans le développement. Voilà, maintenant on passe au classement des idées. Toujours au brouillon, il faut d'abord chercher, collecter les idées, lister les causes au brouillon, avant de passer à la rédaction au propre. Alors, comme première cause, la misère... Le chômage et la situation précaire dans lesquelles sombrent la plupart de délinquants, comme justification, la pauvreté extrême oblige ces personnes à voler et à agresser afin de subvenir à leurs besoins. Nous avons l'exemple du frioche. Deuxième cause, deuxième colonne, l'addiction à la drogue et la consommation de l'alcool. Comme justification, le toxicomane, l'alcoolique ou bien la personne qui s'adonne à la drogue, ne contrôle pas sa rage et peut adopter des attitudes agressives à l'égard de son entourage. Comme exemple, alors je vais me référer à un exemple concret, à un exemple, voilà, un événement qui s'est déjà déroulé l'année dernière ou l'année l'avant-dernière. Si je me rappelle bien, il y avait un jeune Casablancais qui a commis le parricide. Qui a tué parricide, c'est quand quelqu'un tue un membre de sa famille. Il a tué, celui-ci a tué sa mère, sa sœur et ses enfants. Alors, parce qu'il était sous l'effet du hashish. Alors voilà un exemple concret issu du quotidien. Pour les conséquences, alors voilà, ici vous voyez deux colonnes. Première conséquence avec proposition de justification et d'exemple. Deuxième conséquence avec proposition de justification et d'exemple. Comme première conséquence, les citoyens deviennent de plus en plus méfiants et soucieux à cause de l'insécurité. Les individus prennent trop de précautions pour éviter les lieux et les personnes suspectes. Les parents ne permettent pas à leur progéniture, à leurs enfants, de circuler librement comme auparavant. Voilà, c'est d'après notre société contemporaine, d'après ce que nous vivons. La société connaît une altération au niveau de valeurs sociales. L'individualisme flotte en surface. On constate qu'il n'y a plus d'altruisme. Chacun essaie de restreindre ses relations
et de limiter ses contacts pour ne pas exposer sa vie au danger. Personne ne peut s'arrêter dans la rue pour venir en aide de l'autre en cas de besoin. Alors, quand vous voyez, toutes les conséquences sont puisées dans le quotidien, dans le vécu. Comme solution, voilà, je propose d'infliger de lourdes peines aux trafiquants de drogue parce que déjà comme cause, nous avons mis l'accent sur l'addiction à la drogue. Donc je vais proposer des solutions adéquates aux causes et aux conséquences aussi. Afin de protéger l'esprit et le corps des nouvelles générations, cette solution pourrait établir l'ordre et instaurer la discipline. Prendre en charge les catégories fragiles et vulnérables pour promouvoir leur situation financière. En effet, l'accès au marché du travail pourrait atténuer la gravité du phénomène. Comme dictant, je vais me référer à cette citation. Oisiveté est mère des vices. Alors, j'aimerais bien attirer votre attention ici sur l'emploi du conditionnel, puisqu'il s'agit de solutions envisageables. Ce n'est pas encore réalisé, c'est ce que je propose. Alors, je ne suis pas encore sûre si cela va marcher ou pas, donc il vaut mieux opter pour le conditionnel au lieu du futur. Je vous propose une introduction, bien sûr en respectant les trois étapes que nous avons déjà citées au début du cours. De nos jours, la criminalité bat son plein au sein de la société marocaine. Ainsi, le taux de meurtre, de viol et d'agression se multiplie de plus en plus. Or, alors maintenant j'ai terminé. J'ai terminé l'introduction. J'ai présenté le sujet au début. Maintenant, je passe à la problématique. Or, cette montée, la montée de la criminalité, ne fait pas l'unanimité auprès de l'opinion publique qui n'arrive pas à dissiper ses craintes vis-à-vis de cette situation. Troisième partie, maintenant je vais annoncer le plan. Quelles sont alors les causes et les conséquences de ce phénomène? Comment peut-on y remédier? Alors déjà, quand vous voyez, dans la première partie qui commence à partir de nos jours jusqu'à de plus en plus, j'ai présenté le sujet. À partir de or jusqu'à de cette situation, j'ai problématisé, j'ai signalé qu'il y a un problème, je l'ai soulevé. Et la dernière partie qui commence à partir de quelle, voilà, j'ai annoncé le plan sous forme d'interrogation. Vous pouvez recourir à des phrases affirmatives. Au lieu de poser des questions, vous allez tout simplement signaler que vous allez consacrer le premier paragraphe aux causes, le deuxième aux conséquences, le troisième aux solutions, sous forme de phrases affirmatives. Le développement, alors je vais écrire tout cela au brouillon. Je ne suis pas encore passée au propre. Voilà le premier paragraphe. Je commence par la phrase introductive. Les actes violents sont à l'origine d'une panoplie de causes. Je vais citer maintenant les causes. Alors, comme lien logique, j'ai opté pour d'abord. D'abord, la misère, le chômage et la situation précaire dans lesquelles sombrent la plupart de délinquants les obligent à voler ou à agresser afin de subvenir à leurs besoins. L'exemple le plus éloquent est celui du frioche. Vous connaissez déjà l'histoire du frioche qui s'est livré à l'assassinat et au meurtre pour subvenir à ses besoins. Ensuite, l'addiction à la drogue et la consommation de l'alcool. En effet, le toxicomane ne contrôle pas sa rage et peut adopter des attitudes agressives à l'égard de son entourage. Tel est le cas du jeune Casablancais qui a commis le parricide parce qu'il était sous l'effet du hashish. Alors, j'ai respecté les étapes
est le canevas du premier paragraphe du plan analytique de cause. Et je précise, pour passer d'une cause à une autre, ce n'est pas la peine de sauter des lignes. Alors, c'est un paragraphe cohérent. Il suffit de signaler la transition par un lien logique d'addition ou d'énumération. Ce n'est pas la peine de sauter des lignes au sein du même paragraphe. Deuxième paragraphe. Encore une fois, je commence par une phrase introductive. Pour introduire les conséquences, la montée de la criminalité, et je varie, là je varie le vocabulaire. Tout à l'heure, j'ai parlé du crime, maintenant je vais parler de la montée de la criminalité. La montée de la criminalité entraîne des répercussions innombrables. D'une part, alors là j'ai ici, d'une part, d'autre part. D'une part, les citoyens deviennent de plus en plus méfiants et soucieux à cause de l'insécurité. Par conséquent, les individus prennent trop de précautions pour éviter les lieux et les personnes suspectes. Notamment, j'exemplifie, les parents ne permettent pas à leur progéniture, à leurs enfants, de circuler librement comme auparavant. D'autre part, maintenant je passe à la deuxième conséquence, la société connaît une altération au niveau de valeurs sociales. D'ailleurs, l'individualisme flotte en surface. Ainsi, chacun essaie de restreindre ses relations et de limiter ses contacts pour ne pas exposer sa vie au danger. L'exemple le plus probant est celui de notre société contemporaine, où personne ne peut s'arrêter dans la rue pour venir en aide de l'autre en cas de besoin. Alors, quand vous voyez en rouge, les liens logiques pour passer de la conséquence à l'explication, de l'explication à l'exemple et d'une conséquence à une autre. Troisième paragraphe, consacré aux solutions. Toujours une phrase introductive pour introduire le paragraphe. Pour faire face à cette calamité, à ce malheur, à ce drame, encore une fois, je varie pour ne pas répéter les mots, pour éviter la redondance. Il faut varier le vocabulaire. Pour faire face à cette calamité, plusieurs mesures s'imposent. Les mesures, les solutions. D'un côté, il serait nécessaire, encore une fois, le conditionnel. Ce que je propose, ce n'est pas encore réalisé. D'un côté, il serait nécessaire d'infliger de lourdes peines aux trafiquants de drogue et hors la loi, les personnes hors la loi, afin de les dissuader. Cette situation, bien cette solution, pourrait établir l'ordre et instaurer la discipline. Alors, c'est toujours envisageable. De l'autre côté, l'État devrait prendre en charge les catégories fragiles et vulnérables pour promouvoir leur situation financière. En effet, l'accès au marché du travail pourrait atténuer la gravité du phénomène. N'oublions pas que l'oisiveté est mère des vices. Alors, je termine aussi par un conseil, une citation sous forme de conseil. Proposition de conclusion. Au terme de cette réflexion, alors là, j'ai commencé par un lien logique qui introduit la conclusion pour signaler la fin, la conclusion. Au terme de cette réflexion, nous déduisons que, alors maintenant, je vais répondre aux questions que j'ai posées lors de l'introduction. D'après les arguments, d'après ce que j'ai fourni, d'après les conséquences, voilà, nous déduisons, de préférence, opter pour le pronom personnel de la troisième personne ou bien nous. Il faut éviter le « je ». Il faut attribuer un aspect général à votre introduction. Alors, je répète, au terme de cette réflexion, nous déduisons que la criminalité
constitue une réelle menace, vu l'ampleur de ses nuisibles effets, et ce, à plus d'un titre. Certes, il paraît qu'il est difficile à éradiquer, mais tout est possible avec la volonté et l'engagement collectif. Maintenant, c'est la phase de la rédaction au propre. Maintenant, vous avez déjà votre introduction est prête, votre développement est prêt, votre conclusion est aussi prête. Passez maintenant à la rédaction. Mais avant, vous devez effectuer une lecture générale afin de vérifier les erreurs d'inattention, pour rectifier si vous avez oublié des S, si vous avez oublié l'accord, si vous avez remarqué une erreur au niveau de la conjugaison, au niveau des temps verbaux. Rédaction du produit sur la copie sous forme de paragraphe cohérent. Alors, vous allez organiser votre introduction, sauter deux lignes, premier paragraphe des causes, sauter une ligne, deuxième paragraphe des conséquences, sauter une ligne, troisième paragraphe des solutions, sauter deux lignes et commencer la conclusion. Règles à retenir, je vous rappelle les règles à retenir. Veillez à organiser des paragraphes. Organisez vos paragraphes. Aérez-les à travers des sauts de ligne. Laissez une alinéa avant de commencer chaque paragraphe. Il faut signaler le début de chaque paragraphe. Employez des liens logiques pour assurer la cohérence des idées et des paragraphes. Veillez à la ponctuation. Merci pour votre attention et bon courage.